Yumi se porte très bien actuellement. Le lancement avec le réseau complètement établi, il date de 6 mois. Donc on est bien implanté maintenant sur le terrain. Sur Cocody, le plateau, Trècheville, zone sud et Solucos. On est dans la très bonne voie. On continue à croître tous les mois, que ce soit en activation ou que ce soit en rechargement. Les gens qui ont adopté restent avec Yumi parce qu'ils voient que ça fonctionne bien, ils voient que ça va vite, ils voient que le réseau est stable. Bien entendu, dans les zones où nous avons du réseau, à ce niveau-là, les clients sont très satisfaits. La technologie que nous utilisons, c'est la technologie LTE. Le LTE, c'est une nouvelle génération, une nouvelle technologie. En termes de vitesse, on est à un autre niveau que la 3G. En termes de stabilité, on est à un autre niveau que la 2G, la 3G ou même que la DSL qui est proposée actuellement en Côte d'Ivoire. On a un réseau qui va vraiment jusqu'à 5 mégas. On a un réseau qui est stable, et lorsqu'on dit qu'il y a une vitesse, elle est tenue sur, non pas sur une heure ou deux, mais elle est vraiment tenue. On reste sur du sans fil. Alors je clique. Et on voit le téléchargement qui se met déjà. On a un forfait à 5000 francs pour une semaine d'utilisation avec 1,5 giga. On a un forfait mensuel à 15000 francs avec 8,5 giga. On a un autre forfait mensuel à 25000 francs, 25 giga. 35000 francs, 50 giga. Et on a également un forfait jusqu'à 100 giga. En offre Yumi Business, là encore plus dédié pour les entreprises, on a une offre illimitée à 54 900 francs et une seconde offre illimitée plus, je dirais, à 89 900 francs. En termes de chiffre d'affaires, aujourd'hui même, nous ne sommes lancés que sur des gens qui achètent des clés, des box et des Wi-Fi. Donc on n'a pas encore atteint le niveau pour rentabiliser les investissements. Donc on a encore un gros travail en 2015 et sur les années suivantes. Yumi a investi plusieurs milliards de francs CFA. Estimation autour de 5 milliards. On est maintenant avec une quarantaine d'employés qui travaillent pour Yumi. On a plus d'une centaine de partenaires. Points de vente, que ce soit des partenaires comme la Librairie de France, Mercure Télécom, Total, des revendeurs et des partenaires de Samsung ou de LG également. Donc on a plus d'une centaine de points de vente. On a bien entendu des partenaires très importants sur la distribution des recharges sur chacune des zones. Donc je vous dis, en tout, on a plus d'une centaine de partenaires. Et on est en train de créer des partenariats également avec d'autres sociétés. Et le coût d'acquisition des équipements. Nos équipements restent encore chers, on le sait. On est sur du LTE. Les smartphones restent encore chers, les laptops restent encore chers. C'est pour ça que le gouvernement fait énormément d'efforts pour un ordinateur citoyen également. La première innovation, ça a été le LTE, comme vous le savez, l'année dernière. Les nouveaux éléments, on a beaucoup d'idées. Au niveau du développement d'Internet, site Internet également. On a lancé par exemple Yumi Africa, une nouvelle innovation avec le paiement via PayPal. Donc ça c'est une initiative du groupe Yumi Africa. Donc ça c'est une nouvelle innovation qui vient d'être lancée il y a juste quelques jours. On veut continuer les innovations au niveau du paiement, au niveau des partenariats. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur Internet. On vous en parlera quand on aura lancé Internet.